Il y a les éléments Codeco qui sont de l'état-major du côté Jiba et les éléments Codeco qui sont du côté Reti. Tous sont des Codeco. Pourquoi il doit y avoir des dissidences? Pourquoi il doit y avoir des problèmes? Nous cherchons la paix dans l'ensemble du territoire de Djougou. Donc je voudrais profiter aussi pour lancer ces messages aux responsables des Codeco et les signataires de Haru, mais mettre cette situation que nous sommes en train de vivre à Kwandouma nous dépasse. Mais nous voulons, lui en tant que responsable de ces groupes armés, qu'il trouve une solution. Que ce soit les Codeco de Reti, que ce soit les Codeco de Jiba, ils sont tous Codeco, ils sont tous Lendu et ils doivent être ensemble au lieu de créer des dissidences. Alors, cette situation ne favorise pas le développement à Kwandouma. La population est toujours menacée et il y a de la piscose totale, ce qui n'est pas normal. Si c'était peut-être une autre communauté qui était venue déranger, on pouvait accepter pour chercher comment on peut faire des consultations, des médiations, afin qu'on trouve une solution. Mais ils se sont eux-mêmes. Pourquoi ils doivent faire des histoires comme ça? Voilà pourquoi nous sommes vraiment pas d'accord avec eux. Et je les demande qu'ils puissent rester avec les grands leaders de ces groupes-là, avec la communauté Lendu, qui puissent rester ensemble et qui trouvent solution pour que ces problèmes cessent et que la population de Kwandouma vague librement dans leurs occupations.